Hello tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bien nouvelle, abonnez-vous, partagez, commentez la vidéo, posez-moi des questions en bas des commentaires. Je vais vous répondre. Aujourd'hui, je vais vous faire une liste de types, une liste de crèmes avec lesquelles vous pouvez mélanger avec vos produits pour booster votre lait ou bien votre crème. Nous avons la crème ou bien le tube Françoise Bedon Royal. C'est une gamme. Vous avez le lait, vous avez les sérums, les savons, vous avez tout. Mais ça c'est le tube, c'est la crème pour booster votre lait. Ensuite, nous avons la crème ou bien le tube Clinique Clair. C'est une crème éclaircissante. Action rapide, c'est anti-tache. Ça vous éclaircit, ça booste votre lait. Nous avons la crème Glytathium. C'est à base de Glytathium et d'icosique. C'est un très bon produit pour booster votre crème. C'est vraiment un très bon produit, la crème Glytathium. Nous avons la crème ou bien le tube Jeune Fille. C'est fait à base de carottes et de papayes. La carotte et la papaye, ce sont des produits naturels pour traiter la peau. Nous avons la crème Françoise Bedon Carotte. Ça, c'est fait à base de la carotte. Tout à l'heure, je vous ai montré Françoise Bedon Royal. Ça, c'est carotte. Nous avons la crème Sur White. C'est action rapide. Ça, c'est une crème qui agit rapidement. Quand vous utilisez ça pendant quelques jours, vous avez déjà les résultats. Vous pouvez mélanger ça avec votre lait. Vous avez la crème ou bien le tube Ki Plus. Ki Plus, c'est très, très, très bon pour votre lait, pour booster votre lait. Vous pouvez l'utiliser avec son lait ou bien une autre marque. Nous avons la crème So White de chez Fair & White. C'est un très bon produit. C'est une bonne crème pour booster votre lait. Vous pouvez le mélanger avec une crème hydratante ou bien un lait hydratant ou soit un lait éclaircissant comme vous voulez. Nous avons la crème Abidjanaise. Abidjanaise, c'est une crème à ne pas présenter parce que beaucoup d'entre nous ici connaissent la crème Abidjanaise. Vous avez le gel douche, vous avez tout, vous avez les laits, mais ça, c'est le tube, c'est la crème pour booster votre lait. Vous avez le tube Glytacogique White. C'est fait à base aussi des Glytathium. C'est très, très bon pour votre lait, c'est pour booster votre lait. Nous avons la crème Puissance Réparateur à l'huile d'argan, c'est traitant, ça traite votre peau. Si vous avez un problème au niveau de votre peau, ça va traiter votre peau. Fait à base de l'huile d'argan, en même temps ça vous hydrate. Nous avons la crème White Secret, c'est une crème qui vous éclaircit, ça booste votre lait. C'est vraiment une crème très très éclaircissante. C'est une crème à mélanger avec votre lait. Vous pouvez le mettre comme ça, appliquer comme ça au niveau des dos, des genoux, des pieds. Mais pour le corps ou bien le visage, il faut mélanger. Ici, je vous montre une liste. La vidéo continue. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de types que je vais vous présenter dans cette vidéo pour mélanger avec votre lait ou bien votre crème pour booster, pour avoir une détente. Ce sont des bonnes crèmes pour votre peau. Nous avons la crème Glytathium. C'est une crème faite à base de la vitamine C. Ça, c'est action rapide. Donc, ça veut dire ça traite. En plus, ça vous éclaircit rapidement. Quand vous utilisez ça, pendant un certain moment, vous arrêtez parce que c'est vraiment très éclaircissant cette crème. Nous avons la crème Lemon. Cette crème, c'est plus pour les personnes qui ont des acnés. Cette crème va vous aider pour effacer les taches, pour enlever les taches, pour atténuer vos problèmes de peau. Ça va vous atténuer les problèmes de peau. Nous avons la crème Clarissime. C'est une crème éclaircissante faite à base des acides de fruits. Les acides de fruits, ce sont de bons acides pour notre peau. Actuellement, beaucoup, beaucoup de crèmes sont faites à base des acides de fruits, comme Clarissime, c'est fait à base des acides de fruits. Nous avons la crème Miracle, faite à base de la carotte. C'est fait à base de carottes et des plantes naturelles et de la vitamine E. C'est vraiment une crème éclaircissante. Nous avons la crème Kojic Clair, c'est fait à base de la papaye et du Kojic. C'est vraiment un très bon produit, c'est une bonne crème pour mélanger avec, pour booster votre lait. Nous avons la crème Fair & White.
Fair and White crème éclaircissant. Nous tous on connaît la marque Fair and White. C'est une marque qui date de très très longtemps. Ça fait longtemps Fair and White est sur le marché. C'est un très bon produit. Nous avons la crème B et C. Crème ultra éclaircissante. BNC Paris. En français, on dit B et C. C'est une crème vraiment très, très éclaircissante. Nous avons la crème rapide clair. C'est une crème éclaircissante. Vous avez le lait, vous avez tout. C'est les tubes. C'est les tubes à utiliser. C'est les tubes à mélanger avec soit votre lait ou soit votre crème hydratante pour booster votre lait. Nous avons la crème papaya. C'est fait à base de la papaye. C'est enrichi en vitamine E. La vitamine E, c'est une vitamine pour hydrater la peau, pour garder la peau jeune. Nous avons la crème Ami White. C'est une crème, c'est un tube pour éclaircir, pour booster votre lait. C'est une crème vraiment très, très, très efficace. Ça va vous donner une à deux teintes comme vous les souhaitez. Nous avons la crème Pow Pow. Cette crème, c'est une crème éclaircissant intense fait à base de la papaye. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de crèmes sont faites à base de la papaye. La papaye éclaircit la peau, ça nettoie la peau, ça protège la peau. Nous avons la crème carottis. C'est une crème faite à base de carottes. Toujours la carotte, toujours la papaye. Ce sont des fruits qui éclaircissent, qui donnent de l'éclat. C'est fait à base de la vitamine A. À l'intérieur de cette crème, il y a la vitamine A. Nous avons la crème Extreme Glow. C'est une crème vraiment éclaircissante à l'huile d'argan. C'est une crème plein de vitamines. Il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur de cette crème. Nous avons la crème Glutamax. C'est une crème éclaircissante pour booster votre lait. Mélangez ça avec votre lait ou bien votre crème. Ça va encore vous éclaircir. Toutes ces crèmes, ce sont des crèmes éclaircissantes. Nous avons la crème carotène. Cette crème, c'est à mélanger avec un lait hydratant. Pour carotène, moi, je vous dirais de le mélanger seulement avec un lait hydratant, soit Topicrème, Jergens, Mixa, Vaseline. Il y a beaucoup de lait pour mélanger avec votre carotène. Parce que cette crème carotène, c'est très, très éclaircissant. Nous avons la crème Glitter et Kojic White. C'est une crème faite à base de glutathion et de kojic. C'est vraiment très, très éclaircissant. C'est une crème très éclaircissante, Glitter et Kojic White. C'est une crème qui vous éclaircit, qui vous donne une à deux teintes. Nous avons la crème Kojic Clair. La crème Kojic Clair, c'est une crème action rapide. C'est vraiment très éclaircissant. Ça vous éclaircit en 7 jours, ça veut dire une semaine. Quand vous utilisez cette crème à un mois donné, il faut arrêter parce que c'est très très fort cette crème. Ça vous éclaircit à partir de la 7e journée. Nous avons la crème Françoise Bédon Suprême. Toujours de la marque Françoise Bédon, ça c'est suprême. Vous avez Royal, Carotte, Excellence, Caviar. Il y a beaucoup, beaucoup de choix dans Françoise Bédon. Ça c'est suprême. Nous avons la crème Piment Doux. Ça aussi c'est fort. Piment Doux c'est fort. Action rapide aussi. Ça vous éclaircit en quelques jours. Disons dans une semaine, deux semaines, vous avez déjà les résultats. Nous avons la crème Benex de chez Fashion Fair. La crème Fashion Fair, c'est une crème aussi qui vous éclaircit. Ça vous donne une à deux teintes. C'est aussi action rapide. Ça vous éclaircit rapidement. C'est à mélanger avec votre lait ou bien votre crème éclaircissante. Nous avons la crème Épiderme. Je vous avais parlé de ça. Ça, c'est plus pour les personnes qui ont un problème d'eczéma, problème de peau. Si votre peau vous gratte, mélangez cette crème, mélangez ce type avec votre lait pour avoir un meilleur résultat. C'est ce que je voulais vous montrer. Toutes ces crèmes, ce sont des crèmes éclaircissantes. Ça vous donne un joli teint, ça vous nettoie la peau, ça enlève les taches. C'est vraiment des crèmes hyper, hyper éclaircissantes. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser, soit avec un lait hydratant ou soit avec un lait éclaircissant. Mais pour avoir une à deux teintes, faut les mélanger avec un lait éclaircissant pour gagner plus de teintes. C'est à utiliser le soir. Là, c'est ma chanson. Moi, je vous dis, quand vous utilisez les produits éclaircissants la journée, vous abîmez la peau. Mais pour garder votre peau toujours jeune, pour éviter les dégâts, utilisez vos produits éclaircissants que le soir.
Donc voilà, il y a plusieurs choix, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez prendre, qu'est-ce que vous allez acheter, quelle marque vous allez utiliser, quel tube, quelle crème que vous allez utiliser parmi toutes ces crèmes que je vous ai montrées. Thank you.
Merci à tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Aimez la vidéo, partagez, commentez, posez-moi des questions en bas des commentaires, je vais vous répondre. Utilisez bien vos produits, je le répète, utilisez bien vos produits pour avoir un meilleur résultat. Toutes ces crèmes, ce sont des crèmes éclaircissantes. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, évitez les contours de yeux pour les produits éclaircissants. Pour les produits hydratants, vous pouvez mettre même au niveau des contours de yeux, ça ne va rien faire. Mais pour les produits éclaircissants, évitez les contours de yeux. Protégez-vous. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. À la prochaine. Aimez aussi la vidéo. Bye.